vont me faire une vie de tous les diables comme ça jusqu'à quand? Oh, oh! Et qu'est-ce que tu fais là, Gré? Hein? Descends de ce pommier! Descends de ce pommier tout de suite! Mais je peux pas, monsieur! Sale petit voleur! Attends, moi! Je vais le corriger, moi, tu vas comprendre! Et vous aussi! Hein? Enfant de malheur! Sale ver... Oh! Sale vermine! Je vous revois par là, je vous fous une rouflée, moi! Gonne-moi ça. Gonne-moi ça. Doucement, doucement, faites peur à ma batte, hein. Oh. Viens là, t'es, viens là. Hein? Où tu coulons comme ça? Bah, je vais chez moi. Je vais chez moi, foutez-y la paix au père, hein. Foutez-y la paix. J'ai rien fait, monsieur le break. J'ai rien fait, menteur. Hé, Rondox, c'est toi que ton père, il va encore te chercher partout. File. Bon. Calme-moi ça, il n'y a plus de respect. C'était pas le petit Pierre, le baiser au père Gaston, qui me gabillait mes pommes, là? Oh, le fait, pour quelle pomme, c'est pas ma grave. Pas ma grave? Tu dis, qu'est-ce qu'il a, ce tobac? Pourquoi tu la ramènes? Là, tu les sens pas, alors jamais nouveau. Ta pauvre mère serait encore de ce monde, elle nous ferait une bonne tarte, ça. Ça va les faire, les tartes, ta mère. Elle fait. Moi, j'en connais une qui veut bien vous en faire, l'état. La Céleste. Elle en fait même être très bonne, là, ce qu'on m'a dit. Qu'elle en fasse chez elle, cette tarte. J'ai pas besoin de cette garce et de son bâtard dans ma maison. Je te l'ai déjà dit. Maintenant, t'as vaincu les tables au lieu de causer. Et n'oublie pas de sortir le fumier. Ouais, c'est une bonne fille, la Céleste. Et puis, elle est vaillante, elle a pas peur du labeur. Les mêmes départs. À cette tête de mule. Mais arrête! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Allez, viens par ici! Pourquoi comme ça, Gustadon? Laquelle veut qu'on lui parle doucement, tiens donc? Céleste. Femme, ça aime la douceur. C'est pas vrai, la vache? Oh, je suis pas bien avec les femmes quand elles sont douces avec moi. Non. Ça va, le toine? Alors, t'as parlé au père? Eh ben, t'as parlé ou t'as pas parlé? Bien sûr que j'ai parlé. Je lui ai parlé hier et puis tantôt, mais il veut point. Il veut point? Comme je te le dis. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur parler encore. Mais c'est pas une tête de mule. Hein. Quand il veut point, il veut point. Pourquoi il veut point, ton père? C'est à cause que j'ai fauté avec Victor? J'ai fauté, je suis la seule. Ma mère aussi avait fauté, la tienne et toi avait fauté avant de marier ton père, et puis après. Je sais bien. Mais tout le monde a fauté, un pays, tout le monde fautera, c'est comme ça. Mais je sais bien. Moi, ça me gêne pas que t'as fauté. Mais le père, il dit. Mais il dit quoi? Que c'est le baiser Victor, et puis après. J'ai fauté, je suis moins vaillante pour autant. Le Victor, elle m'a prise dans la grange comme je dormais, je l'aurais épousé, pour sûr, si il n'avait pas été commis de ferme. Je sais bien, j'en ai pas encore parlé de ça. Mais il apprend bien, le Victor, il n'a pas de terre, pas de vache, pas de ferme, là, rien. On peut quand même pas faire une famille avec un gars carrière. Moi, le baiser me gêne point, même si c'est le baiser Victor. Je l'aime bien, moi, le toine. Il me gêne point, mais je gêne ton père. Ah, pour sûr. Pourquoi tu vas pas voir monsieur le curé? Le curé? Le curé? Moi, je veux bien essayer, je veux bien tout essayer si ça marche. Ça sera bon, là, tous les trois. Je m'occuperai bien de vous, puis lui, je lui ferai de la bonne soupe. Pour sûr qu'on serait bien. Bah alors? De Dieu. Gadelin, Gadelin, c'est là qui veut me prendre mes terres. Mais tu les auras point, non? Tu les auras point, c'est moi qui te le dis. Allez, file.
Alors, le père, laissez mourir le feu. Je vais mettre un peu de bouée. Laisse dans le bouée. C'est pas frais, pas besoin de gâcher. Avec qui tu causais tout de suite, là? Hein? Avec personne. De voir l'autre. Tu mettras celui-là sur l'autel. Bien, monsieur le Coué. Oh, c'est des roule-break. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas encore Noël? Je sais bien, monsieur le curé. Tu dois vraiment avoir besoin du bon Dieu pour venir me voir. On ne te voit jamais à la messe, toi. J'ai pas beaucoup de temps, monsieur le curé. Avec les labours, et puis les votes, et puis tout. Et puis la flemme, hein? Surtout la flemme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Césaire? C'est rapport à mon père, monsieur le curé. Eh ben vas-y, dévide ton chapelet, j'ai mes oeils qui m'attendent, moi. Le paye. Va préparer la messe, toi! Qu'est-ce qu'il a encore fait, le père amable? Hein? Les rapports à la céleste? Je voudrais bien la marier, mais le père, il... Il quoi? Il veut pas? Il veut point, non. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre? Ben, je lui ai dit qu'elle était vaillante et puis économe, mais ça n'a pas plus d'effet que de souffler dans le cul d'une vache. Hein. Sauf votre respect, monsieur le curé. Il dit qu'elle a un gosse du Victor et qu'il veut point d'elle et de son bâtard dans sa maison. Et quand il dit non, c'est non. Ah oui. Elle a un enfant de Victor Lecoq. Et ça, tout le monde le sait. En somme, tu voudrais que j'aille lui parler. C'est ça. Oh, j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu veux que j'y raconte? Bah, ce que vous racontez au sermon pour faire donner des sous. Ah, Césaire. Allez, va. Je passerai ce soir après souper. Oh, merci bien, monsieur le curé. Merci de tout cœur. Allez, au revoir, Césaire. Et passe de temps en temps à la messe. Tu verras, c'est pas si terrible que ça d'aller à la messe. Ça sera fait, monsieur le curé, ça sera fait. Parole d'Oulbrek. Alors, Vétuste, ça va aller? Malavoine a besoin de quelqu'un pour ses labours. Il dit qu'il paye 10 sous de l'heure. J'ai pas le temps. Il a déjà pris le temps de faire les miens. Oui, mais... 10 sous de l'heure? Non, qu'il les garde, ces 10 sous, j'ai pas le temps. J'ai que deux bras et deux jambes, hein, je peux pas tout faire. Ça la compagnie. Je vais me coucher. Alors, par amable, comme ça que vous accueillez les visiteurs? Pour un petit calva, monsieur le curé? Oh, vous allez voir, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ma foi. Et vous aussi, Ulpé? Non, non, je veux rien. Je vais me coucher, moi. Allez, un petit avec monsieur le curé. En plus, c'est bon pour le sommeil. Je vais boire un verre avec vous autres et puis je leurrai la bestiaux. À la bonne vôtre, monsieur le curé. À la tienne, Césaire. À votre père amable. À la tienne, Ulpé. Et que tu vives centenaire. Yes. J'y vais. Alors voyons, monsieur le curé. Un bon gars, votre fils, père amable. Je sais bien pourquoi vous êtes là, le culé. Tant que je vivrai, Césaire, il mariera point à la céleste, et puis c'est tout. Pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas le droit de fonder sa famille, lui aussi? Oh, je l'ai pas empêché de fonder sa famille, hein. J'ai empêché d'avoir la famille des autres. C'est pas pareil, hein, pas du tout. La famille des autres? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous aussi, vous avez besoin des autres pour fonder votre famille. Votre pauvre femme, paix à son âme, n'était pas de votre famille. Puis elle l'est devenue. Elle l'est devenue parce que vous l'avez accueillie. Ben, c'est ça, fonder une famille, père amable. C'est accueillir les autres. Je veux point d'un bâtard dans ma maison! Mais ce sera point un bâtard, puisque Césaire, il sera son père. Et puis quoi encore? Ce sera toujours un bâtard, puis sa mère une traînée, hein, c'est comme ça, puis c'est tout. Ah non. Non, c'est pas comme ça, puis c'est tout. C'est autrement. Ça suffit, maintenant. Allez, asseyez-vous. Faut qu'on cause tous les deux, père amable. Le curé, je vais vous écouter. Rapport à ma pauvre femme qui avait du respect pour vous. Mais je ferai comme je voudrai. Et c'est pas vos bondieuseries qui me feront changer d'avis.
Méfiez-vous de mes bondieuseries, comme vous dites. Parce qu'un jour viendra où il vous faudra rendre compte, là-haut, de ce que vous avez fait ici-bas. Et ce jour-là, mes bondieuseries, vous seront peut-être bien utiles. On ne me demandera pas plus de compte à l'arrivée, comme on l'a demandé au départ. Et je crains barre. Méfiez-vous quand même, père amable. On ne sait jamais. Parce que si on vous les demande, ces comptes, vous allez faire une drôle de tête. Et ça ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Et puis peut-être que là-haut, la Césarine. Quoi? Peut-être qu'elle vous attend là-haut. Puis tout ce temps, on ne sait jamais. Bon, ça m'étonnerait. Le pommier, le père t'a planté quand je suis venu au monde. On a le même âge tous les deux. Alors donne-y un coup de main au curé. La Céleste et Pimée, on le soignera bien. On sera pas ingrat, je te le promets. Et puis quand j'aurai un petit à moi, je te planterai un autre pommier à côté pour pas que tu sois seul. Qu'est-ce que t'en dis? Oh! Où vous allez comme ça? Bah, je vais chez moi et vous? Bah, je vais chez moi et tout. Je vous avance? C'est pas de refus. Merci, c'est bien aimable de votre part. Je m'appelle Césaire. Césaire Houlbrecht? Bah oui. Moi, je m'appelle Céleste. Céleste Lévesque, c'est Issa? Bah ouais. Donc vous connaissez mon nom? Bah je le connais, c'est tout. Et vous? Bah, comme vous. T'es un drôle, toi. Un vrai drôle, même. Bah, peut-être, ouais. Houlbrecht. Tout juste. Bah, allez, roule donc, c'est un Houlbrecht. Allez, la mer, rue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Non! Ça y est, je te dis. Un point sans peine, hein? Il aurait bourré quand il s'y met ton père. Oh, ça, je le sais. Mais ça y est, pour sûr? Je te dis que oui. Passe me voir demain après la publication des bancs. Et je vais te voir plus souvent à la messe, hein? Oh, pour sûr, monsieur le curé. Vous me verrez. Vous me verrez même en confesse. Tant mieux. Allez, bonne nuit, Césaire. Bonne nuit, monsieur le curé. Et merci. Et merci aussi le bon Dieu. Et toi-même, ça ira plus vite. Hé, hey, Ulpé! J'aime pas ça, Césaire. Non, j'aime pas ça du tout. Ah, qu'est-ce que vous aimez pas? Allez-y, parlez donc. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire dans ma maison. Et j'aime pas que mon fils épouse une garce qu'elle fait au cul. Voilà ce que j'aime pas. Cette maison, c'est aussi la mienne, Ulpé. Et c'est pas manquer de respect que de dire ça. Et la Céleste, c'est point une garce, vous entendez? Et la fautée, mais c'est point une garce. Vous le verrez bien tantôt, quand elle fera votre soupe et puis la mienne. On dirait un vrai bourgeois de Rouen. Oh, pour sûr, ça change. Il veut point se lever. Comment ça, il veut pas se lever? Mais c'est qui, mais? Il veut point se lever. Il veut point se lever, il veut point se lever. Où viens maintenant? Tout le monde t'attend. Allons, Ulpé, levez-vous. Je vais quand même pas faire la nuit sans vous. Je peux point. J'ai attrapé un coup de frais. J'ai le bas du dos tout noué. Je peux point bouger. Mais un petit coup de calva et vous sentirez plus rien. Non, non, je peux point armer. C'est quelque vent encore a coulé de ce maudit toit. J'ai mal partout, j'ai le dos dur comme un caillou. Vous allez quand même pas me faire ça le jour des noces. Je peux point, laisse-moi donc tranquille. Allez-y, vous autres. Laissez-moi seul, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, que je te dis? Puisque c'est comme ça, vous dînerez point.
Nous autres, on fera le repas à l'auberge de Polyte. Et vous, vous ne dînerez point. Ça vous apprendra à faire le têtu. Nous, on fera bonbon, c'est pas vous. Et vous serez tout seul ici, puisque c'est ça que vous voulez. Pour venir, cette tête de mule. Hé, hey Césaire, t'es-tu bien sûr de vouloir te mettre la corde au cou? Ah ben encore quelques minutes pour réfléchir, hein. C'est pas réfléchir, hein. Allez-y, je vais y causer, OP. Sacré nom, 20 francs. Mais il a perdu le sens. Il a perdu le sens, ma parole, pour saisir. Céleste, Alexandrine, Prudence, l'évêque, acceptes-tu de prendre pour époux Césaire Houlbrecht, ici présent? Je le veux. Césaire, Auguste, Vincent, Césaire, Auguste, Vincent, Houlbrecht, acceptes-tu de prendre pour épouse Céleste, l'évêque, ici présente? Je le veux, monsieur le curé. Pour sûr que je le veux. Des alliances? Césaire et Céleste Houlbrecht, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. T'en veux-tu encore? Ah, je veux bien. Et pas tous les jours les noces. Bah, qu'est-ce que t'as? T'es tout chaude. Moi, j'ai rien. Je te trouve belle.
fini. Bah Césaire, ce sera-t-il pas le premier béco que tu me donnes? Pour sûr, et ça sera point le dernier. Césaire, il y a le Victor qui veut te parler. Ah mais? Où qu'il est? Bah vas-y, il va prendre manger le Victor. Césaire! Je voulais pas te déranger pendant la noce. Je voulais juste, enfin... Félicitations! Ouais, merci, le Victor, merci bien. Ça me fait pas plaisir qu'elle soit mariée avec toi, la Céleste. Bah, t'es un bon gars, travailleux et puis franc et tout. Bah, mais aussi, ça me fait plaisir. Eh, tu vas avoir une petite goutte avec nous autres. Oh bah non, je vais pas vous déranger. Je vais vous laisser en famille. Mais toi aussi, t'es un peu de la famille. Allez, viens, viens! Mais c'est la noce! Il faut pas rigoler! Bah... Allez, viens. Bon, bah, c'est pas de refus. La Céleste et puis moi. Et puis le Bézo. Que ça nous fait chaud au cœur que vous soyez tous là. Ouais. Ouais. Et puis... Hé, hey, vieux dégourdi, t'en as-tu un nez pour avoir senti de chez toi la cuisine à Polyte? Hey, allez, viens t'en voir. Pour les douleurs, rien de tel qu'un bon cataplasme de faillot avec un verre de Filancate. Où c'est vous autres? Faites une place au paix. Assieds-toi. J'ai eu quelque chose à manger. Ah non, elle va d'abord manger un gigot. Oh, mais je vais aussi manger le poulet, il va tout manger, puisque c'est moi qui paye. Ah, tu perds pas le nord, toi. T'es un drôle. Ouais. Un vrai drôle, même. C'est une belle noce, le père. Qui t'a invité, toi? Césaire. Allez, le paix, faut s'en retourner. Tous mes vieux de bonheur à vous autres. Merci, rentrez bien. Oui, oui, faites bien attention, traînez pas sur la route, à faire un froid de gueux. C'est pas le moment d'attraper un coup de frais. La Céleste le réchauffera bien quand ils seront rendus. Ben, j'espère bien. Hey, LP, ça va?
Césaire, le pio à frais. Attends. Ça va pas? Je peux plus marcher. Et comme une douleur dans le genou, ça me lance jusque dans le dos. Césaire, le pio à frais. J'en ferai un de moins à nourrir. Avance donc, je vais vous rejoindre. Vas-y, avance. T'occupe pas de mes. Et le père, faut pas forcer. Appuyez-vous sur mes. Avance donc au lieu de causer, pauvre gnant, là. Genou, le paix. Bonne nuit. Je crois bien qu'il est même point. Mais non, qu'est-ce que tu vas penser, là? Laisse-y le temps de te connaître, il t'aimera bien, là. Et puis, mais je t'aime. C'est ça qui compte. Bah, se dire, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je dois faire. Je fais le mari. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est la chambre de la mère. Je peux voir? C'est le père qui l'a déjà fermé, il veut je pas. Je peux voir? Non, c'est laissé le père. Bonjour, le père. Vous avez bien dormi? Je vous ai fait de la bonne soupe. Vous allez voir, je vais bien m'occuper de vous. Avec May, vous manquerez de rien. Allez, viens, mon petit. Viens. Tu vas manger de la bonne soupe avec le père. Vous allez, le paix. Eh ben, il y a de la joie dans la maison de Break. Ça va, le paix? J'ai passé chez Malavoine tantôt. Il a besoin de quelqu'un pour labourer son champ. J'ai dit que t'irais après dîner. Va te payer 12 sous de le. Je sais pas si je pourrais, le paix. J'ai pas encore fini ici. J'en ai au moins encore jusqu'à la nuit. Faudra bien pourtant, Césaire. Sommes 4 maintenant. 4. Comme tu l'as voulu. J'irai, le paix.
Vous en faites pas, j'irai. Qu'il est, Césaire? Pourquoi qu'il ne rentre point souper? Vous le savez, vous, le père? Non, je sais point. Le vin d'engouement feu. Je vais te chercher une miquette sèche. J'ai tout fait. Notre champ et puis celui au père Malavoine. Vous êtes content? Et le cheval? L'as-tu rentré? Je vais le rentrer tantôt. Tantôt quand? Quand il sera passé avec cette tempête? Je vais le rentrer, moi, puisque tu veux point le faire. Et le père à tes dents! Qu'est-ce que vous avez? Vous trouvez que j'en fais point assez, hein, c'est ça? Tenez, laissez-vous au père Malavoine, ils sont à vous, puisqu'ici, tout est à vous! Mais où tu vas? As-tu perdu le sens? Monte sur le break. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ah, c'est Césaire, il m'a demandé de venir lui donner la main. Ça tombe bien, j'ai du temps. On n'a pas besoin de toi, le Victor. Tu peux t'en retourner d'où tu viens. Pas le père. J'ai dit, tu peux t'en retourner. Bon, puisque c'est comme ça. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il fait, le Victor? Il s'en va, ma parole? Laisse. Je suis sûr que c'est le père laisse, qui veut dire. Laisse, tant pis, tant pis. Rentre plutôt à la maison. Je vais finir tout seul. Je suis ta femme pour le pire, pour le meilleur, comme a dit monsieur le curé. Si tu restes, je reste aussi, puis c'est tout. Alors, docteur. Oh là là, ça ronfle là-dedans, comme dans un alambic. C'est une mauvaise fluxion. Va falloir garder le lit, Césaire. Je peux point.
Faut que je finisse mes labours. Je les ferai, moi, tes labours, t'inquiète donc point. Ah, c'est des labours ou ta santé, à toi de voir. Bah, tu viendras me voir demain, je te ferai une liste de médecine que tu porteras à l'officine. On va faire un premier traitement, on verra après. Je penserai te voir sous huitaine. Ici, là, reste au chaud. Et vous, père Mab, ça va comme vous voulez? Oh, lui, ça va. Ça va même très bien, pas vrai, le père? Ah bah, tant mieux, tant mieux. Vous inquiétez pas, LP. Dans quelques jours, tout ça sera fini. Je me retournerai à mes terres. Vous élugez point. Prends-moi tes médications, je serai là tantôt. Et repose-toi bien. T'étais bien agité cette nuit dernière. Va nous manquer, ce pauvre Césaire. Césaire, elle est avec les siens maintenant. Elle est rentrée à la maison. Oui. Elle est rentrée à la maison pour toujours.
Va falloir que tu partes d'ici. Que je pars tout ça? J'appuie une maison, c'est ici ma maison. Non. Ici, c'est chez May. Chez May. Je t'interdis, t'entends? Je t'interdis! Ce qui est à vous et à Césaire, et ce qui était à Césaire et à moi, parce que je suis sa femme, je partirai pas d'ici, vous m'entendez? Ici, c'est chez moi maintenant. Vous entendez? C'est chez moi. Faudra prendre un homme pour les labours. Je lui donnerai la main, mais je peux pas faire ça toute seule. J'ai pas d'argent pour payer quelqu'un. Puisque t'es chez toi, t'as qu'à travailler. De misère. Comment que je peux la boire avec une charre pareille? Je vous le demande, Mme Houlbrecht. Pour sûr, je vais m'en servir dès demain. Quoi? C'est vous qui faites les labours? Ben oui, qui d'autre?
Avec quoi t'as payé le soc? C'est ça que vous cherchez? T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. C'est la moitié de la misère que vous m'avez dit, alors j'ai aussi la moitié de l'argent. Parole de Céleste Houlbrecht. Quoi, Césaire? Mais viens-t'en, j'avance du travail, monsieur. Césarine, Césaire, heureusement vous êtes point là pour vers ça tous les deux. Une vraie misère, oui, une vraie misère. Si je me laissais faire, on me boufferait la pio sur le dos, cette garce. Et alors, père Amable, on vous voit plus guère. Pauvre Césaire. Il n'aura pas eu le temps de fonder une famille. J'aurais mieux fait de point vous écouter, monsieur le curé. Je le savais qu'elle n'était pas pour lui, je le savais. Le baiseau à Céleste, c'est point le fils à Césaire, et ça sera point le mien non plus. Jamais. On est tous les enfants du bon Dieu, Amable. Il n'y a que ça qui compte. Au revoir. Fera-t-il mal au monde mettre un peu de bois dans la cheminée? Faut que je fasse tout, c'est ça? Je suis point votre servante, le père. Je suis la veuve à Césaire. La veuve à votre fils, et vous êtes point mon maître. C'est ça, vieux taiseux. Allez donc prendre l'air, ça vous rafraîchira les méninges. Il m'a fait que je l'ai planté quand Césaire est venu au monde. Maintenant que mon fils est plus là, lui aussi doit partir, c'est comme ça. C'est comme ça. Pauvre fou, hein. Vous croyez que le Césaire va revenir parce que vous aurez coupé votre pommier? Mais elle viendra pas. Elle viendra plus jamais, le Césaire. Vous comprenez sa vieille tête de mule? Elle viendra plus jamais. Jamais. Bonjour Victor.
va toujours? Ça va toujours. Et de votre part, ma moule break? Oh, moi, ça irait si ce n'était que je suis seule à la maison, ce qui me donne bien du tracas. Pour sûr. Une femme seule comme ça avec toutes ses terres. Puis les labours, puis les semences. Puis les récoltes. Puis les récoltes. J'ai vu que vous n'avez toujours pas récolté le champ de la mare. Bah non, je comptais sur le père Malavoine pour me donner la main, mais il est point venu. Bon, c'est qu'il a ses terres à s'occuper, cet homme. Ouais, comme tu dis, Victor. Où tu vas avec ta charrette? Je fais un transport pour monsieur le curé. Il me faudrait un homme. Une femme, ça a besoin d'un homme, mais une ferme encore plus. Pour sûr. C'est pas ce qui manque dans le pays. Des grincheux, des feignants, ça manque point. Mais des vrais, des courageux travailleux, c'est déjà bien plus rare. Ils sont pas tous comme Césaire ou comme toi. Je sais bien. Ça te dirait de t'occuper d'une ferme? Avec moi, bien sûr, et puis le père. Faut voir. Une ferme, c'est du tracas. Tu pourrais commencer par me donner la main ce dimanche. On ferait la récolte du champ de la mare. Ça te dit? Ça me va, ben. Alors, va pour dimanche? Va pour dimanche. Les bonjours, Victor. Bonjour, ma moule break. Point le charger autant, ma moule break. Tenez. Ce serait bien qu'on finisse ce soir. On finira. On finira, vous inquiétez d'un point. Allez, on finit la tienne et on remet ma mienne. Va te faire un bon fricot quand tu rentres, la Céleste, pas vrai? C'est pas faire le fricot, elle sait rien faire. Elle sait montrer son cul, puis c'est tout. C'est vrai qu'elle a déjà tombé une fois sur un piquet, la Céleste. Alors pourquoi pas deux? Les bonnes qu'à se coucher à faire des bâtards. Voilà, qu'elle est bonne. Hé, hey, Alken Amable. Bernard, remets-nous sa petite sœur. Ce serait peut-être bien le temps de se rentrer, monsieur Ulbrecht. Si je veux, Mme Fernande, si je veux. J'ai personne qui m'attend, mais c'est tant mieux comme ça. C'est tant mieux. Les enfants tués, c'est comme les poulains, ça reste au cul de leur mère. Les enfants de gendarmes, c'est comme les mulets, ça connaît point de tromper. Les enfants de putain, ils laissent du mauvais grain, ça finit au galet. Les enfants de salauds, c'est les enfants dans le dos, comme le bijou. Comme le bijou. Les enfants de gendarmes, c'est comme les mulets, ça connaît point de tromper. Et les enfants de putain. T'es correct, toi? T'es point parti? Vous en avez une sévère, à ce que je vois. Qu'est-ce que t'as pu bien te faire, hein? Ça me fait rien, vous êtes ben grand, vous faites ce que vous voulez. Vous avez fait du bon ragoût, vous en voulez? D'où qu'elle vienne, c'est pas ça? Du champ de la mare, d'où vous voulez qu'elle vienne? Champ de la mare? Et t'es à mon père, toi? Et puis avant, il était à mon grand-père, Auguste Ulbrecht. Oui, il était à mon grand-père, Auguste Ulbrecht, du champ de la mare. Tant mieux pour lui. Auguste Ulbrecht, vous, moi, Césaire, qu'est-ce que ça peut bien faire à qui qu'il est, le champ? Le champ, il est à celui qui remue la terre, et puis c'est tout. Eh, mais il sera jamais à toi, le champ de la mare! T'entends? Jamais! Qu'est-ce que vous allez en faire, votre champ? Vous allez l'amener avec vous devant le bon Dieu quand vous serez passé? J'avais jamais encore vu un labour qui suivait un corbillard. Nous autres, on passe, mais les champs, eux, ils restent. La vie, ça finit toujours par où que ça commence, le père? Dans le trou. Et c'est bien comme ça. Prenez donc un peu de fricot, ce sera toujours ça de pris.
Je vais pointer ton frigo. Eh ben, père amable, ça va-t-il comme vous voulez? Je vais vous expliquer, le père. Le père, vous allez. Mais où qui va? Mais t'en fais donc pas, va. Il reviendra bien quand il sera tout fourbu. Tu viens de coucher? Toi, le père est pour rentrer. Oh, t'inquiète pas. Il est bas quelque part. Hein.